Mathieu, je représente Groove Neuchâtel et aujourd'hui je vais vous apprendre l'une des clés essentielles du b-boying qui s'appelle le front sweep. Alors pour commencer, je vais vous dire que le front sweep c'est pas un pas mais c'est plus un mouvement qui est utilisé dans tous les footwork, ce qui veut dire dans tous les mouvements qui se passent au sol. C'est vraiment quelque chose d'important. Alors pour commencer, la chose la plus essentielle c'est que vous devez vous asseoir sur vos talons. Vos talons ne doivent jamais toucher le sol, car dans cette position vous avez aucune, vous allez bloquer toute votre puissance et vous serez vraiment gêné par le fait d'être vraiment trop collé au sol. Alors pour commencer, n'oubliez jamais qu'en footwork et surtout pour la front sweep, restez bien sur les pointes. Alors je vous explique maintenant le front sweep. Alors pour commencer, si vous êtes droitier, vous mettrez vos jambes gauches ici en arrière. Une des premières étapes, vous allez commencer à shooter en arrondi. Mais en même temps que votre jambe shoot, vous allez changer votre position du corps. C'est-à-dire, quand la jambe gauche part, mon corps va passer ici pour laisser le champ libre du côté droit. Voilà, alors quand vous avez maîtrisé la bascule de votre corps, votre jambe ici va revenir en arrière et avec la puissance vous soulèverez la droite, ce qui vous permettra de sauter le plus haut possible. Alors je vous montre au ralenti et maintenant je vais vous montrer avec le plus de puissance possible. Voilà, et n'oubliez surtout pas que le front sweep vous sera très utile pour par exemple les autres tutoriels sur ce site. Il y a 6 steps, 3 steps. Dans tous ces mouvements, comme par exemple le six step où vous commencez comme ça, le front sweep sera là pour balayer. Voilà, c'est vraiment une clé essentielle pour vous ouvrir le plus de possibilités possibles dans votre break. Ensuite, vous pouvez, comme j'ai dit au début aussi, passer avec ce front sweep sur des freezes. Par exemple, si je retourne pour que vous voyez bien le freeze, là je vais lancer ma jambe et je vais poser mon freeze. Et ensuite, vous avez des milliers de possibilités tant que vous donnez l'élan qu'il faut, vous arriverez toujours à faire quelque chose qui suit. Alors voilà, entraînez-vous bien et à bientôt. Peace.